Yo tout le monde, c'est Boosters. Aujourd'hui, une vidéo sur Advance Warfare. Je vais vous présenter la nouvelle arme qui vient juste de sortir. Et on va jouer dans la dernière map qui nous reste à faire, c'est-à-dire Core. Je vous montre la classe avec laquelle je vais jouer, les copains. C'est parti! Donc voilà, je vais prendre cette arme. L'arme qui s'appelle Homme. Je suis un homme, je suis sexy, je ne suis pas une femme. Homme, sexy, négu. Non, je rigole. Bon, plus sérieusement, je vais prendre l'atout. Enfin, l'atout. L'accessoire rayure avancée, poignée ergonomique. J'aurais bien pris l'accessoire Cross, mais bon. Voilà, ça prend, je le débloque dans pas mal de temps, faut faire des kills au jugé avec. Et franchement, c'est un peu compliqué avec cette arme. Vous verrez bien dans le gameplay que je vais vous proposer là, que je vais vous faire en direct, commenter en direct, par mes soins, en direct, en direct, en direct. Bon, ça vient beaucoup en direct. Voilà, donc atout numéro 1, profil bas. Ensuite, poids plume, invisible et impulsion furtive et robustesse, drone, bombardement en série de points. Je ne suis pas très ambitieux, je vous l'accorde. En ce moment, je joue pas beaucoup à Call of. C'est pour ça, j'ai un peu d'autres choses à faire ces derniers temps. Et donc, même vous avez pu voir la semaine dernière, j'ai pas sorti de vidéo. J'ai quelque chose à faire en ce moment hors de YouTube. Voilà quoi. Donc, une Semtex. Et puis voilà, on va être let's go. On va être paré pour partir à la chasse aux noobies. Allez, Avoc playlist, MME Avoc. En espérant tomber dans la map Core, le désert. Wouhou, on est tombé dedans. Du premier coup pour une fois. Contrairement à Urban la dernière fois, les copains. Bon, les maths désert, du désert. Dédicace à GameX13, mon poteau. Ok, ok. On va bientôt y aller. Chargement posé. En espérant, je suis pas arrivé en fin de partie, les copains. Sinon, ça me ferait chier vraiment, les copains. Copains, copains. Donc, vous voyez un peu, hein, c'est le désert. C'est l'apocalypse du désert, quoi. C'est un peu l'apocalypse. Voilà. Yes, on est arrivé en début de partie, les copains. Oh là là, on va se la mettre, on va se la mettre. Tenez-vous prêts, messieurs. Bon, j'espère que ça va bien se passer pour moi. Voilà, cette arme, esthétiquement, je la trouve atypique, franchement. Franchement, elle est bien. Franchement, moi, je la trouve assez classe, quand même. Donc, vous voyez, regardez, on peut passer de l'état... Regardez, je vais vous montrer. Là, je suis en état fusil à pompe. Bah, elle tire plusieurs balles en même temps, à peu près 7, je crois. Et là, en état mitraillette. Et... cette arme là, allez, c'est l'arme bisexuelle. Elle a deux sexes. Mode fusil à pompe. Oh, moi j'en ai tué un. Et mode fusil à pompe assez violent, mais franchement, beau. Un gros manque de précision pour les modes fusil à pompe. Après, en mode mitraillette, franchement, elle est pas mal. En termes de précision, ça peut aller. Allez, allez, allez. Où sont les ennemis? Où sont les petits connasses? Allez toi, t'es dans la mort. Rechargement stylé, je kiffe son bruit. Je kiffe le bruit du rechargement, même le bruit de l'arme quand on tire, je le trouve classe. Oh toi, 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 à moi. Toi, t'es à moi. Non. Oh, comment il est tombé mon perso. Laisse tomber. D'accord, il croit que c'est un ennemi. Ok, ok. Il m'a tué avec la même arme, sauf qu'il a, il a viseur laser dessus. Hop là. Semtex. Il est mort, ok. Fusil à pompe. Boum. Pleine tête. Boum. Oh, crotte de bique. Que vos oreilles reposent en paix après le cri que je viens de faire. Enfin, le move. Je sais pas si ça... J'aime pas être surpris comme ça. Ça me fait peur. Allez, tombe. J'ai dit tombe, tu restes par terre. Allez, allez, un peu des ennemis, des ennemis, des ennemis. Une petite douche de sable, ça vous dit? Allez, let's go. Non, mais bon, arrête de faire le con, putain. T'es à la guerre. Oh, oh, oh. Oh, lolo. Oh. Oh, là là, il était en mode fusil à pompe. Putain, il a de la chance d'être en mode fusil à pompe, lui. Il aurait pas été en mode fusil à pompe, je l'aurais tué. Je vais le mettre un peu, là. Je vais le mettre un peu. Je suis sûr que vous aimez bien, là, ce truc un peu violent, là. Vous aimez ce qui est violent, ou là. Notre
Putain, je voulais buter l'autre de là-bas de loin. Hein, lui, j'aurais eu au fusil à pompe, ça aurait été plutôt rigolo. Putain, c'est chaud, j'ai eu chaud. On va rester un peu ici là. Ah, il est mort. Oh, mais il était. Oh, allez, mes coéquipiers, ils viennent même pas me soutenir là. Aucun soutien, mes coéquipiers quoi. Grenade! Oh oh oh. Yes. I am happy. Continuez à tirer. Je suis sûr qu'ils vont arriver de par là. Oh bah t'as vu. Comme par hasard, il faut que je tombe sur un sniper. Boom. Remember my name. Je trouve ça intéressant quoi, que l'arme elle est deux styles, vous voyez, parce que t'as l'impression que j'aurais deux armes en fait finalement, et tactiquement franchement il y a des choses intéressantes à faire. Après c'est sûr, il y a toujours les armes cheatées du style ASM1, obsidian, style là je sais pas quoi, qui vont toujours être là pour te ramener à la réalité. Ok, merci les copains. Oh mais putain. Allez, ces mains de merde là. L'arme cheatée par excellence là, tous les noobs jouent avec là, c'est bon. Ah. Putain mais j'arrive pas à faire à enchaîner là. Qu'est-ce qui se passe là? Allez, allez. Bon là là. Bah allez, allez-y là, c'est bon, votre vie n'est pas en jeu là, putain. Je suis du combien là? 10-13, bon c'est un peu la merde là. Oh. Bon, je suis pas là pour faire des performances non plus hein. Oh comment il a... comment... comment il est mort. Eh les gars, je suis mort, je suis actuellement mort. Oh, oh bah bouffe, il a disparu. La manière dont il était mort, laisse tomber quoi. Boosty boost, précision 0. Pas de précision, boosty boost là. Putain. Oh là là, fin de la partie, franchement j'ai fait de la... J'ai fait pas forcément un très très bon score, mais bon. L'arme, je la connais pas trop. La map, je la connais pas forcément énormément, même si j'ai déjà joué dedans. L'arme, je l'ai pas forcément assimilé. Bon, l'arme, c'est la map, je la connais quand même un peu. Mais l'arme, franchement, il y a une prise en main particulière. Hein. Au début, vous allez un petit peu galérer si vous l'avez. Et après, petit à petit, à mon avis, c'est bon, ça va le faire. Mais l'arme, franchement, faut prendre la main. Ce qui explique un peu, ce qui excuse un peu mon score. Oh non, 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 non. En vrai, c'est juste que je suis nul. Non, je rigole. Bon, les copains, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour ma part, j'ai eu un grand plaisir à vous la faire. Franchement, je suis vraiment heureux que vous soyez tous là. Vous êtes plus de 51 000 vues sur ma chaîne au total. Franchement, ça me fait énormément plaisir. Vous savez même pas à quel point. C'est vraiment super. J'espère que vous allez continuer à me faire vivre ça pendant très longtemps, que vous allez continuer à me suivre. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch, Facebook, Twitter. Voilà, je suis partout les copains, vous venez me voir, vous me parlez, je peux parler avec vous un petit peu, on est là, on est posé, voilà, un petit peu de, j'aime bien être proche de mes abonnés, voilà, donc en tout cas, allez checker la description, dedans je mettrai le lien d'une vidéo d'un pote à moi, qui a fait un clip récemment, un clip très professionnel, c'est de la chanson, vous allez kiffer, we can make it to the top, allez voir les copains, allez voir, likez, cliquez sur ce lien, le lien Duke Ortiz, je mettrai Duke Ortiz Ambition, c'est le titre. Allez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de sa musique et de ma vidéo, bien sûr. Et allez, à très bientôt, la semaine prochaine sur ma chaîne, pour une nouvelle vidéo et de nouvelles aventures. Allez, bye.